La part belle revient, comme toujours, aux jeunes. Nous allons recevoir un passionné des sciences, technologies et innovations âgé de 24 ans. STV, votre télé. PM on Spectrum Television, ladies and gentlemen, televiewers, thanks for joining us on this bilingual edition of the news on STV. Coming up in our news, sport football, two men appointed to head Cameroon's national team. Clivan Sedov is the new head coach of the Indomitable Lions of Cameroon with Patrick Clovet as assistant. The information was made known this Saturday by Sports and Physical Education Minister Pierre Ismaël Binkwat in Yaoundé, who also reaffirmed that Cameroon is going to host the 2019 African Cup of Nations. On our feature page tonight, we take you to discover the health benefits of mangosteen, a food which originates from Southeast Asia, is slowly becoming a consumer's favorite in Cameroonian's market. Thanks once again for joining us on this bilingual weekend edition of the news on Spectrum Television. And we can start this bilingual edition in the French language with Makeda Lidzinatoum. Good evening, Makeda. Bonsoir, Darlene Fedio, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous l'annoncions il y a un instant. C'est l'information sportive de la journée. Les nouveaux membres du staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun sont connus. Clarence Seedorf et Patrick Culver, deux anciens internationaux hollandais, vont désormais entraîner les Lions. C'est en tout cas ce qui ressort du point de presse donné ce samedi même à Yaoundé par le ministre des Sports et d'Éducation physique. Occasion également pour Pierre Ismaël Bedoumpat de revenir sur l'état des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 à la veille de la mission de la Confédération africaine de football CAF attendue dans les prochains jours. Le point de cette sortie médiatique du MINCEP avec vous, Olivier Bouziqueux à Yaoundé. Adjoint de l'équipe nationale du Cameroun. L'annonce ce jour de leur recrutement met un terme à un long suspense dû à des formalités administratives. La commission ad hoc mise en place par le comité de normalisation de la FECAFOOT a fait des propositions qui ont été reçues par la tutelle et transmises à la hiérarchie. Les très hautes prescriptions reçues permettent de concrétiser le recrutement de M. Clarence Sedov au poste d'entraîneur sélectionneur national et de M. Patrick Kluivert au poste d'entraîneur adjoint des Lions Indomptables. C'est la principale actualité ainsi au menu du point de presse de Pierre Ismaël Bidoumpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui a par ailleurs présenté l'état des préparatifs de la troisième visite d'inspection de la CAF au Cameroun, prévue du 6 au 14 août prochain. Une visite qui intervient dans un contexte marqué par des rumeurs faisant état du retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun au profit du Maroc, aussi d'une autre rumeur qui annonce une démarche entreprise entre le Cameroun et le Nigeria pour une co-organisation de cette compétition. La réaction du président du comité local d'organisation. Tout en condamnant cette campagne malsaine de fake news, dire qu'il s'agit de manœuvres dolosives qui vise à jeter du discrédit sur notre pays, le Cameroun reste le pays organisateur de la CAN 2019. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme rassurant, dit-il. Ces experts inspecteront les infrastructures sportives et hôtelières sur tous les sites. En ce qui concerne particulièrement les chantiers des infrastructures sportives, toutes les entreprises nationales et internationales concernées sont à pied d'œuvre et sont engagées à respecter leur planning des travaux. Les membres du staff technique de l'équipe nationale désignée restent l'instauration d'un nouvel exécutif à la Fédération camerounaise de football, toujours attendu
par le mouvement sportif. Ils sont attendus également au Cameroun dans les prochains jours. Six nouveaux membres du staff technique de l'équipe nationale du Cameroun, Clarence Sidoff et Patrick Culvert. Autre chose dans ce journal ce soir, la ville de Kribi dans la région du Sud a abrité vendredi dernier le premier forum sur l'innovation et les technologies émergentes. Les travaux présidés par le ministre des Postes et Télécommunications visaient notamment à promouvoir l'excellence technologique des jeunes chercheurs. Davantage de précision dans son reportage de Gaël Olomo à Kribi. Sur l'innovation et les technologies émergentes s'est tenue à Kribi ce vendredi 3 août sous le thème « L'innovation technologique au service de la société ». L'objectif de cette rencontre étant de présenter aux entreprises, organisations et autres institutions l'impact et l'importance des technologies émergentes, identifier les projets innovants et leurs porteurs, et surtout provoquer une dynamique nationale autour du numérique, proposer des pistes de solutions pour améliorer la stratégie de l'économie numérique. Et c'est le plus grand technopôle d'Afrique centrale, Ocean Innovation Center, une initiative de Jacques Mbonjao, qui a abrité la dite manifestation. Ce centre, Madame la ministre l'a dit, a été conçu pour la jeunesse. Et nous voyons très bien que cette jeunesse est bien représentée. Elle a même fait des photos avec Madame le ministre et les autorités. Ce n'est pas anodin. Ça va rester, ça va marquer. Ils pensent que ça, c'est leur ministre à eux. C'est elle qui va les aider à transformer les secteurs. Elle a dit elle-même, Madame le ministre, c'est l'affaire de tous. Ce premier forum a été rehaussé par la présence du ministre des Postes et Télécommunications, Madame Minette Libom-Liliken. Mais toute la communauté, secteur privé, secteur public, pour que ces jeunes-là aient l'écosystème approprié. Parce que le tout n'est pas d'être formé à Ocean Innovation Center. Il faudrait qu'après, ces projets maturés trouvent un financement. Les jeunes... Retour en studio et toutes nos excuses pour cette rupture brusque de ce reportage. On parle éducation à présent. Les étudiants méritants bénéficieront de certaines faveurs lors de la prochaine rentrée académique au campus universitaire de Tchang, c'est à l'ouest du Cameroun. L'annonce a été faite cette semaine par le recteur de cette université. Et c'était au cours de la cérémonie de proclamation des résultats de fin d'année 2017-2018 dans cette institution. Reportage Kevin Thiogo et Simaron Mibunko. C'est désormais une tradition au sein de cette institution qui compte dans ses rangs un peu près de 30 000 étudiants, tel qu'annoncé lors de la cérémonie officielle de démarrage de l'année académique en octobre dernier. L'agenda 2017-2018 a bel et bien tenu le chemin à l'université de Tchang. Et je crois que nous sommes en cela conformes à la bonne gouvernance universitaire pour faire en sorte que l'université, une fois que tout a été fait, que les étudiants, que les enseignants puissent se reposer, jouir de leurs vacances, se refaire une santé et revenir en début d'année requinqués pour commencer une nouvelle année universitaire. La cérémonie solennelle de proclamation des résultats s'est déroulée dans l'enceinte du centre de conférence qui s'est avéré étroit pour contenir la marée humaine qui a convergé pour la circonstance. Les cinq premiers de chaque option reçoivent leur relevé de notes. Aussi, une prime spéciale est réservée aux différents majors en guise de reconnaissance de leurs efforts accomplis. L'excellence académique doit être saluée, magnifiée par tous. Grâce aux multiples partenaires qui se sont joints à l'Université de Tchang, l'année académique 2018-2019 est toute garantie de la rentrée prochaine pour ceux des meilleurs qui se sont le plus bien illustrés. Sans avoir triché, sans avoir fait autre chose que travailler nuit et jour, sont les meilleurs, ils sont reconnus et l'année prochaine, ils ne payent pas. Ils paieront les droits universitaires sur un argent de leur récompense. Cela est très important, c'est un message que je voudrais donner à toute la jeunesse camerounaise. Il n'y a rien d'autre que le mérite. Il y a une chanson qui dit que la vraie magie, c'est le travail. C'est le lieu de le dire pour ces étudiants-là. Ainsi dit, 2018-2019 s'annonce sous fond d'amélioration des conditions de travail pour des résultats encore plus performants. Ceci grâce au déploiement de la dynamique collective, ce qui le recteur, le professeur Roger Tsafar Namfosso, peut bien compter.
From the West Region, we take you to the Southwest Region, where the population has been challenged to actively take part in the process of mangrove afforestation and regeneration. This is through the conservation and nursing of mangrove. Details with Pelagie Ekwenye-Imboya. Mangrove forests are extremely important coastal resources which are vital to our socio-economic development. It contributes significantly to the global carbon cycle. Mr. Ngendo Zedekiah, Project Coordinator of Integrated Ecosystem Service for Bakassi, paints a picture. As mangrove is concerned, in this part of, we are in the Limbe 3 and Tiko Council project. A lot has been done in the domain of reforestation and reforestation of the mangrove ecosystems. Behind us, you would see a nursery, which is part of, the second stage in the reforestation process, because the first stage starts with the collection and the planting of what has actually started growing in the field and transplanting that into normally areas that have been degraded, that have been chopped, that mangrove has been chopped off. Also, Madam Taken Priscilla, project manager of Tiko Limbe 3 mangrove deforestation and degradation projects, further highlights the importance of this ecosystem. Ecosystem too is a very good breeding ground for fishes. They are very good timber. They have good timber that this the villager use it for to smoke their fish. They stock a very good quantity of carbon. So the mangrove ecosystem is a very good ecosystem that stock a very good below ground carbon. It should be recalled that there are about 80 different species of mangrove trees which grows in areas with low oxygen soil composed of slow moving water. On the other hand, mangrove forests only grow at tropical and subtropical latitudes near the equator because they cannot withstand freezing temperatures. Nevertheless, it is important to carefully manage and conserve this intricate root system, which attracts fish and other organisms seeking food and shelter from predators. Autre région, même préoccupation, les pouvoirs publics et l'appui des partenaires au développement travaillent pour la mise sur pied des mécanismes destinés à éviter la déforestation. En effet, les populations de la région de l'Est, notamment, détruisent les forêts à la recherche du bois de chauffage. Et c'est pour éviter la destruction des forêts qu'une stratégie de développement du secteur rural, volet forêt et environnement, a été adoptée là-bas. Les détails avec Gustave Epoch et Joseph à l'Est. Les unités de transformation du bois aux scieries installées principalement à l'Est constituent une part importante des industries du bois au Cameroun. Avec un taux de rendement matière d'environ 35%, ces industries produisent deux fois plus de rebuts que de débités, évalués à environ 2 millions de mètres cubes au Cameroun. Ces rebuts de service sont délaissés ou brûlés à ciel ouvert. Seul un très faible pourcentage, 5% par exemple de ces rebuts, sont valorisés pour la production du charbon. Pour renverser enfin cette tendance négative, la GIZ, à travers son programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural volet forêt environnement, appuie le gouvernement camerounais pour développer une chaîne de valeur moderne visant la production et la commercialisation du charbon rebut de scierie dans la région de l'Est. On est parti d'une filière totalement informelle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes qui sont structurés, qui sont enregistrés en qualité de transformateurs, qui bénéficient de documents légaux pour le transport de leur bois, qui ont été formés dans les techniques de production du charbon, parce qu'il faut le dire qu'il y a des techniques sans lesquelles vous ne pouvez pas faire de bon rendement. Et aujourd'hui, nous allons vers la facilitation des coûts de transport et la structuration du marché. Le four traditionnel amélioré produit du charbon de bonne qualité, déjà très apprécié par les populations locales. Pour l'avancement de cette filière, pour l'évacuation de ce charbon par le dans tout le pays.
Le fou traditionnel amélioré constitue donc une alternative efficace pour la récupération et la valorisation des rebuts de scierie. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, a demandé aux populations de s'approprier le programme d'appui à la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur rural, volet forêt et environnement, mis en œuvre par la GIZ en collaboration avec le ministère des Forêts et de la Faune et celui de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Something else in this newscast, activities leading to the 104th death celebration of King Douala Mangabel and Guso Din have been launched this Saturday in Douala during an ecumenical service. Today's launch was also dedicated to pray for peace in Cameroon. Henry Wana. The history of this great nation called Cameroon can never be meaningful when great men like King Rudolph Douala Mangabeyi and Rudolph Ngoso Dean are being neglected, given their paramount role played during the colonial days. The Douala Manga is a symbol of patriotism. And patriotism was the first we began to show us our country, because when he began to have his problem, it began to turn. And then I can say that it's a symbol of peace and a symbol of life together. Stems from this fact, traditional rulers and elites of Katonbel, that is from Bonabele, Bonaprizo, Bonandumbe, Bonanduma, and Bodongo, converged on August 4 to launch a 5-day memorial activity to celebrate their heroes. During the ecumenical service, the men of God channeled the request of the people, which is for peace to continue in their dominion and in part of the country facing social unrest. However, we are told Ngoso Dean served King Douala Mangabeyi as secretary, and so the Katonbel community has always been celebrating the two great men. Il a été son secrétaire, ils étaient ensemble. Hein? Oh, non, toujours tous les deux. August 8, 1914. August 8, 2018 shall clock exactly 104 years that the mighty Iroquois of the Sawa clan, King Bel, journeyed to the world beyond, but his memory and that of Ngoso Dean still linger in the heart of their generation. Cameroon's indigenous people are still suffering from limited representation and social integration. Though government is devising strategies to remedy the situation, the role of these nature conservers needs to be emphasized, as Veronica Aji tells us in the following report. The Pygmies, as they are well known, constitute three different communities which occupy about 172,000 kilometers square land surface area in the northern and southern parts of Cameroon. These hunter-gatherers, made of the Barkas, with about 40,000 people, live in a 75,000 kilometer square surface area in the east and south regions. Another pygmy community, the Bakola Bagili, is made of about 3,700 persons residing in a 12,000 kilometer square surface area in the coastal southern part of Cameroon, while the Bedzan, made of less than a million, occupy the forest area in the center region of Cameroon. All these pygmy communities represent about 0.4% of the population, unlike the Mbororos, with about 12% out of Cameroon's over 20 million estimated population. The Mbororos are found around the national territory with a high concentration of over 38,000 people in the northwest region. Be it pygmies, Mbororos, or Kidis, these indigenous people have common challenges. Land exploitation, forcing them to migrate, lack of political representation, and limited access to social services. The government of Cameroon, under the Ministry of Social Affairs, has for the past 9 years been working on how to integrate the Aboriginal people in the outside world. Celebrations of the day set aside to acknowledge indigenous people have shifted from no marginalization to socioeconomic inclusion. According to some researchers, these people, more often neglected,
could help a great deal in nature conservation, given that they still solely depend on the soil for food, natural plants for remedies. In essence, fighting deforestation and other woodland activities. The indigenous people, known to be those who have preserved their traditional systems of living through ages, occupy, own, or use some 22% of the global land area, numbering between 370 to 500 million persons in Africa, Oceania, the Americas, and the Arctic region. Veronica Aji reporting on our feature page. This night, we take a look at a food which originates from Southeast Asia. It is called mango steam. The food is slowly becoming a part of Cameroonians, a food which is highly loved by many Cameroonians, though some remain, some are not aware of this food. Let's go discover what this food is all about with Chompo Sama. At first sight, one will think that this is the famous passion fruit. But no, it is actually purple mangosteen, a fruit which originated from Southeast Asia. This nutritious fruit, which is also called the queen's fruit, is sweet and juicy and somewhat fibrous, and has made its way into Cameroonian markets and now a favorite to some people. That is because this seasonal fruit, which comes out mostly around June to early August, is moderately low in calories and rich in dietary fiber, as well as a good source of vitamin C. Furthermore, researchers have found out that regular consumption of mangosteen helps regulate blood pressure and heart rate because of the high level of magnesium which is contained in this fruit. It is also said to improve digestion, treat acne and minor cuts, as well as some skin conditions. Also nicknamed the food of the gods, mangosteen to some Asian locals is believed to be a good treatment for dysentery and urinary tract infections. The sale of this highly beneficial fruit in Cameroon is what provides a daily bread for some Cameroonians. This vendor here in Douala says the fruit is sold from 500 francs CFA to 1,000 francs CFA depending on the quantity the customer needs. But he can also retail one for 100 francs to those who don't need that much. He also tells me that storing it is not a problem, as it can be kept in the fridge and last for over a month. The best aspect about mangosteen fruit is the fact that it complements well with other fruit selections like watermelon, pineapples, and what have you. We continue to get news with the VOA. Last week, Pastor Andrew Branson was removed from jail and placed under house arrest. But Turkey refused to send him to the United States, despite a warning delivered by U.S. Vice President Mike Pence. If Turkey does not take immediate action to free this innocent man of faith and send him home to America, the United States will impose significant sanctions on Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. Turkish President Recep Tayyip Erdogan dismissed the warning, saying threats will not force Turkey to compromise the independence of its judiciary. These threatening remarks against us will not benefit anyone. We show the best solidarity with the United States and NATO. The Trump administration on Wednesday announced sanctions against two Turkish officials in connection with Branson's detention. At the president's direction, the Department of Treasury is sanctioning Turkey's Minister of Justice and Minister of Interior, both of whom played leading roles in the arrest and detention of Pastor Brunson.
As a result, any property or interest in property of both ministers within U.S. jurisdiction is blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them. Pastor Branson has lived in Turkey for more than two decades. He was arrested following a failed 2016 coup that sought to overthrow Erdogan's government. Turkish authorities accused the American pastor of helping the coup leaders. The sanctions are likely to put a new strain on U.S.-Turkey relations, which have soured in recent years. The United States has rejected Ankara's demand to extradite a U.S.-based Turkish cleric, Fethullah Gulen, accused by Ankara of masterminding the 2016 coup. Gulen, who lives in exile in Pennsylvania, denies a role in the failed coup. Washington says Turkey has not provided sufficient evidence to justify Gulen's extradition, and it has refused to exchange him for Branson. The United States also angered Turkey by supporting Kurdish militias fighting Islamic State in Iraq and Syria. Turkey claims those militias are connected with the Kurdish terrorist group. Zlatica Hoke, VOA News, Washington. And that report brings us to the end of this Balingua Weekend edition of the news on Spectrum Television. Thanks very much for watching and stay on STV for our programs continue. Good night, Makeda. Au revoir, Darlene Fédieu, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellent week-end à vous. L'information reprend lundi sur STV. Bonsoir. STV, votre télé.